The Philomela lost her love, fresh note she worries yet again. Fa-la-la-la-la, fa-la-la-la-la-la-la-la. Il est temps pour moi de vous parler du compositeur le plus célèbre de la Renaissance. Vous le connaissez, il s'agit de... Mozart. Ah, mais non, pas Mozart, pas... Beethoven. Non, mais c'est bien sûr Josquin des Prés. Ah. À l'époque, c'était Gims, c'était Black M, c'était Section d'Assaut, c'était Angèle, tous ces grands chanteurs d'aujourd'hui. On a la voix bien chaude, on va pouvoir chanter. Plus fort. Merci. Est-ce que vous en voulez une dernière? Eh bien, on va vous faire une dernière qui s'appelle « Je ne mange point de porc ». Alors, c'est absolument pas un acte politique. Le poète dit qu'il ne mange pas de porc car le porc mange ses étrons et il trouve ça un petit peu dégoûtant. Que je vous voulais dire, que je vous voulais dire, s'il ne mangeait sans étrons, il ne s'en fera que rire. Il les tourne, il les vire, il les rit et puis les mange. Je ne mange plus de porc. Chantons, amis, chantons, et vous, sans compagnon, le jeune et mon vilain. Chantons, chantons jusqu'à demain. Une nuit, pendant mon sommeil, je fus surpris par une troupe de singes qui me firent. Ce danseur me fait mourir de rage. Je suis pris d'une envie de carnage. Tue, 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 tue. Sur son mont aigu, aigu, aigu. Tu m'as tué. Chantons, amis, chantons, et bonnes sont.